espoir et une lueur de voir quelque chose dans l'avenir que peut-être vous ne verrez pas ailleurs. Et c'est vrai que, quand vous m'en avez parlé, Stéphane, de ce projet, ça remonte déjà à quelques mois, au mois de mars ou d'avril, je pense que nous avions déjeuné à Paris tous les deux, vous m'aviez dit, voilà, je décide de m'installer dans le Perche, on m'a proposé de reprendre quelque chose, et on va fêter les 900 ans de l'année prochaine, est-ce que vous accepteriez d'en être le président? J'ai dit, mais où dans le Perche? Parce que vous savez que nous sommes installés à Dreux, nous. Il m'a dit Thiron-Gardet. Je lui ai dit, mais Thiron-Gardet, je connais. En fait, nous sommes arrêtés il y a peut-être une année ou deux. Nous avons des amis qui habitent à Beaumont-les-Hôtels et nous avions assisté à la messe un mois de novembre ou un mois d'octobre. Donc, assez frais dans l'abbaye de Thiron. Et nous avions été très impressionnés par cette perspective. Quand on entre déjà, il faut descendre, il faut se baisser, parce que les portes sont assez basses. Dans notre famille, nous sommes assez grands. Donc voilà, il y a une démarche à prendre pour entrer dans cette abbatiale. Et puis après, on est surpris par la dimension, et puis par ces caractéristiques du Perche, de ces églises en bateau renversé. Alors on espère que la Mérule n'a pas fait office dans ce bâtiment, que les travaux vont pouvoir être entrepris.